Cette année, on constate globalement une baisse à la fois des accidents, des tués et des blessés. 321 accidents pour 2018, à comparer avec les 381 de l'année précédente. Pour autant, on constate un nombre de tués qui reste relativement élevé, puisqu'on était à 20 tués l'année dernière sur les routes, et que cette année, on est à 19. Donc il faut relativiser cette baisse générale. La question de la sécurité routière est une question prégnante en Haute-Corse. On constate les mêmes pourcentages que ce qu'on peut connaître sur le reste du territoire national. Évidemment que la moto est un véhicule qui présente une dangerosité plus importante en matière d'accident, mais pas de variation significative en Corse par rapport aux autres départements français. On fait ce constat d'une accidentologie qui reste haute dans ce département. Le préfet a souhaité qu'on se renforce en matière de répression et de présence sur les bords de route, mais en matière de comportement à risque, là aussi la prévention doit être renforcée.